Deux heures, c'est l'heure H, et aussi celle de Johnny, qui nous vient tout droit de Cannes, par la voie du ciel, comme il sied à une idole. Avec lui, nous traversons le golfe de Saint-Tropez pour aller en face, à Sainte-Maxime, dans un club fort connu, où Johnny va chanter pour le plaisir de quelques centaines de copains qui l'attendent de pied ferme depuis déjà deux bonnes heures. Je vis, c'est une chance que vous arriviez ce soir de nuit à Sainte-Maxime alors que nous tournons une séquence sur les noctambules. Est-ce que vous aimez la nuit? Oui. On n'est pas noctambules. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Nous sommes tous sauf noctambules, c'est-à-dire que nous sommes noctambules parce que les noctambules se couchent comme le matin, nous ne nous couchons jamais. Oui. Vous aimez la nuit, Johnny? Mais c'est-à-dire que moi, je vis plus la nuit que le jour. Ouais. Par nécessité ou par goût? Les deux. Qu'est-ce que c'est que cette tenue que vous avez là? Ah, ça, c'est très difficile à expliquer. Ça intrigue tout le monde. Ça intrigue tout le monde. Eh bien, ça va être la tenue de l'équipe Johnny. On est en numéro maintenant. Et puis, c'est une tenue, pas seulement d'équipe Johnny, mais que... Qu'on va essayer de faire, adopter à tous les gens qui aiment, ouais, qui aiment les jeunes, car nous aimons les jeunes. N'allez surtout pas croire que cette foule, comparable à celle du métro aux environs de 19h, un métro que prendraient Annabelle et Bernard Buffet, se trouvait réunie là à cause de Johnny. Non, c'était comme ça toutes les nuits chez François Patrice. Je ne te donne pas pour me revenir. Et que oui, je...